Victor Wembanyama fête ses 19 ans, voici le cadeau, son top 10 du début de saison. Numéro 10, le prodige casse les codes et invente un nouveau basket, son basket. Qualité de dribble et handle unique pour un joueur de 2,21 qui propose un double pas en partant derrière la ligne à 3 points. Incroyable mais vrai. À la 9ème place, en quelques mois de compétition, Wembanyama a fait des dégâts en LNB, fait les yeux doux à la NBA. En revanche, c'est loin d'être une douceur sur les parquets. Sur cette action, tel Moïse, il ouvre le Mans en deux. Numéro 8, meilleur contreur du championnat, c'est devenu pour les scoreurs un fléau. 3 blocs par match, un véritable enfer de l'avoir sur le dos. A titre de comparaison, le deuxième top contreur est à 1,9 blocs par match. Numéro 7, début décembre contre Fos-sur-Mer, où Mb nous montrait l'étendue de sa palette. Iso sur Doc aussi pour finalement placer un fadeaway 0 degré devant deux athlètes. À Marcel Cerdan, le cheat code est activé, sur le replay c'est net. Peu importe si les bailleurs sautent, ça va bien se passer. En 6ème position, restons à Levallois. Nikolic, contré dans les premières secondes, veut se venger 3 minutes plus tard, mais le Monténégrin subit la loi Wembanyama. Petit séisme ressenti dans le 92. Numéro 5, face à Paula Cortez, les Metropolitans 92 signeront leur premier succès. Victor Wembanyama, lui, signera son premier KO. Le jeune français sur ce débordement ne laissera aucune chance au pivot zimbabwéen Vitali Shikoko. Numéro 4, contre Fos, Wemby a coché toutes les cases avec une ligne de stats bien fournie. 32 points, 10 rebonds, 3 passes et 4 contre. La pieuvre sort les tentacules pour stopper violemment l'offensive, évaluation à 36. À la 3ème place, un 2 contre 1 dans le basket pro en général, ça fait panier, mais quand le phénomène français est au milieu, c'est pas forcément le cas. Get back en contre-attaque sur alley-oop, 5 blocs dans la rencontre pour la licorne face à Blois. Numéro 2, Fos se souviendra longtemps du W, sûrement sur ce plan qu'il prouve qu'il est unique. Jamais dans l'histoire de ce sport un joueur si long n'avait fait preuve d'une telle dextérité. La séquence de dribble au ras du sol et au milieu de deux joueurs semble irréelle, puis shoot botte secrète sur un pied. Le tir à 3 points avec la faute est validé. Et le numéro 1, le 4 novembre contre Limoges, il inscrivait 33 points, son record LNB, et nous dévoilait après une isolation devant Wilfried Diéguété sa nouvelle marque de fabrique, le fameux shoot externe sur un pied. L'image a fait le tour du monde, du Made in France pour notre plus grand plaisir. Joyeux anniversaire Victor dans ta 19ème année.